Ça y est, la 30e édition du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc trouve sa conclusion sur la plage des Saouira, sous les ailes de la patrouille marocaine de Voltige. Oubliez les galères, la chaleur, la fatigue, les gazelles affichent leur fierté d'avoir vaincu le désert et d'avoir réussi leur challenge. Vainqueurs en catégorie 4x4, Tania Lio et Régine Zbinden laissent éclater leur joie. Beaucoup d'émotions parce qu'en fait, c'était tellement dur cette année, mais tellement dur qu'on on avait presque envie d'abandonner à un moment donné, hein, mais on ne l'aurait jamais fait. Mais on s'est dit, c'est trop dur, quoi. Et là, on arrive et on se dit qu'on a été au-delà de nos limites. C'est ce qui nous rend plus fiers et plus fortes, c'est d'avoir réussi à ne pas lâcher, à continuer, et puis c'est ça qu'on vient chercher. Décidément invincible, le tandem Kraft-Baudouin-Guérard pousse leur quad vers une nouvelle victoire. Chapeau bas. On a mis le feu au désert, on va dire ça comme ça, dans tous les sens du terme. Ça a été l'addition la plus dure que j'ai faite, je pense. Et puis on a fait notre max et on en a bavé. Nous, on vient chercher des moments, en fait. C'est notre bouée d'oxygène. C'est un moment où on pense à rien d'autre qu'à se faire plaisir, de faire notre trace, de tracer notre route, de décider où on veut aller, sans que personne nous impose vraiment un parcours prédéfini. En crossover, les Marocaines Elbied et Adja ont du mal à réaliser leur exploit. Visiblement, leur victoire en terre marocaine les comble de fierté. C'était très 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 difficile, mais nous sommes super fiers, super contents de notre victoire et surtout de pouvoir lever le drapeau marocain. Ça fait longtemps que ça n'a pas été levé. On l'a eu, là, on est là. On a levé le drapeau marocain. En e-gazelle auto Vinci Immobilier, l'équipage franco-marocain Faxel Abou Hamda Favreau n'aura pas lâché la tête depuis le début de l'épreuve. Je trouve que c'est un rallye qui est quand même vraiment différent des autres. Et là, le faire en électrique, c'est quand même sympa. C'est-à-dire qu'on couple l'amour qu'on peut avoir pour le 4x4 avec le fait de vouloir quand même faire un petit peu attention à ce qui se passe d'un point de vue climatique. Et je crois qu'on est accro à l'électrique. Enfin, en buggy électrique, Marie Bellingard et Agnès Mossina vantent les mérites de leur monture. Visiblement, elles ont été conquises. Trop contente ! On a gagné ! Grosse jubilation de passer la ligne d'arrivée. Donc pour nous, c'était super important d'être en électrique. Silence total, couple, efficacité, agilité. On peut recommander à toutes les nanas qui rêvent de faire le rallye des gazelles, de le faire avec un buggy électrique. On est super contentes. Rendez-vous en 2022, la 31e édition devrait se dérouler en mars, comme d'habitude.